Quand j'avais ton âge, les gens voyaient en moi le nouveau Tadayori Nagao. Vous êtes le meilleur archer qu'on ait jamais eu. Non, loin de là. Mais je suis vraiment très doué. Et je vous remercie de m'avoir tant appris. J'étais si absorbé par l'étude de mon art que je n'ai jamais pu fonder de famille. Tomoe devait devenir mon héritière. Mais ses crimes, je n'ai pas pu lui pardonner. Aucun samouraï n'aurait pu. J'ai dévoué mon existence à l'arc. Ma vie fut extrêmement riche grâce à lui. Mais il m'a privé du principal. Une famille est le plus important. Sensei. Ne deviens pas comme moi. Ne laisse pas le fantôme te consumer. Ah. Tomoe est quelque part à Kamiagata. Elle va tenter de rejoindre les Mongols et de regagner leur confiance. Si elle est là, nous allons la trouver. Et nous allons en finir. Oui, il est temps. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Convoi mongol, anéanti. Par qui? On leur a tiré dans le dos. Sûrement une embuscade. Le chariot a brûlé. Des flèches incendiaires. Des flèches japonaises. Les hommes du seigneur Shimura. C'est l'œuvre d'archers japonais. Sûrement plusieurs. À moins qu'Ishikawa Sensei ne soit passé par là. Pardon, excusez-moi, monseigneur. Il n'est pas judicieux de me prendre par surprise. J'ai cru que vous étiez avec l'homme qui a tué ces Mongols. C'était un samouraï, mais plus vieux. Un archer? Ishikawa Sensei. Où est-il? Il a dit qu'il reviendrait chez moi dans un jour ou deux. Pourquoi chez vous? J'ai à manger. Un bon feu. J'ignore ce qu'il prévoyait de faire, mais ça semblait urgent. Il a peut-être traqué Tomoe jusqu'ici. Où habitez-vous? Près d'ici. Mais une tempête approche. Je dois d'abord relever mes pièges. Je vous y conduirai ensuite. Bien, je vous accompagne. Comment vous appelez-vous? Matsu, monseigneur. Que vous a dit Ishikawa-sensei exactement? Rien de plus, monseigneur.
Il n'a pas été très avenant. Je veux bien vous croire. Je n'avais encore jamais parlé à un vrai samouraï. La guerre provoque des rencontres inattendues. C'est le moment ou jamais de vous poser une grande question. Ne vous trompez pas. Que ressent-on quand on détient le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un d'autre? C'est une lourde responsabilité. Mais avouez que cela vous plaît. Seul un monstre y prendrait plaisir. Ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Là! C'est un de mes pièges. Faites vite. Je ne voudrais pas manquer Ishikawa. Mince, il est vide. Je dois le réinstaller. Vous devriez peut-être vous mettre à la chasse. Oh, très peu pour moi. C'est trop horrible. Dans ce cas, essayez de changer d'appât. J'utilise toujours le même. Et de quoi s'agit-il? L'illusion de l'opportunité. Voilà donc le problème. Cet appât ne piège que les hommes. Par ici, monseigneur. Survivre ici ne doit pas être facile. Ce n'est facile nulle part. J'ai fui au nord à l'arrivée des Mongols. Seul? Mes parents sont morts quand j'étais enfant. Depuis, j'ai toujours été seule. Votre famille doit être très importante. Le seigneur Shimura est mon oncle. Un instant. C'est de vous que tout le monde parle? Le fantôme? Sauf que vous n'avez rien d'un démon haut de 3 mètres. Non. Mais les rumeurs effraient l'ennemi. Alors c'est tout? Ce ne sont que des rumeurs et des exagérations? Pour les affronter, j'ai employé des méthodes qui me répugnaient jusqu'à présent. Comme nous tous. Regardez! Ils volent mon gibier! Chassez-les, monseigneur! Je vous en prie! Attendez là! Ils sont affamés. Hé! Hey, ne nous faites pas de mal, monseigneur! Ceci n'est pas à vous. Désolé, ce n'est qu'un écureuil. Voilà des jours que nous mangeons des herbes et des racines. Prenez-le et partez. Merci, monseigneur. Vous les avez laissés s'enfuir? Avec notre dîner? Ils n'étaient pas dangereux. Juste affamé. Vous ne ressemblez pas au fantôme qu'on m'a décrit. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur moi. Le blizzard sera bientôt là. Combien de pièges vous reste-t-il? Un seul. Mais il est éloigné. Personne ne croira que je vous ai parlé. Qu'est-ce que ça fait d'être le fantôme? Ne vous fiez pas à ce qu'on raconte. Sans mes alliés et amis, je serais mort. Vous ne le pensez pas. Je dois aussi la vie à bien des gens, que ce soit à la dame du clan Adachi ou à une voleuse. Les gens ne le mentionnent peut-être pas, mais sans elle, je ne serais pas là. Nous devrions rentrer. Je ne veux pas manquer Ishikawa-sensei. Le dernier piège n'est plus très loin, monseigneur. Nous y sommes. J'espère qu'il y a de quoi faire. Regardez ça! Le dîner! Vous avez quelque chose? Finalement, nous allons peut-être avoir un repas décent. Que regardez-vous?
la grande île. Pas de Mongols, pas de guerre. Un endroit où tout recommençait. Que feriez-vous si vous pouviez vous y rendre, là-bas ? J'irai à Kyoto. J'ouvrirai une belle auberge. J'apprendrai à jouer du shamisen pour accueillir le flot incessant de visiteurs riches et élégants pendant que mes servantes les détroussent. Kyoto n'a qu'à bien se tenir. La tempête redouble. Il faut partir. Votre sensei nous attendra peut-être. La tempête s'intensifie. Suivez-moi. Si je me rapproche, il nous faudra partager un cheval. Qu'est-ce que c'était ? Ne faites pas attention. Continuez. Monseigneur, des Mongols, à côté de la maison. Je vais m'occuper d'eux. N'approchez pas. Je comprends qu'on raconte des histoires sur vous. Où est votre maison ? Pas loin. Venez. Viens ! Nous y sommes. Mettons-nous à l'abri. J'imaginais le fantôme moins gentil. Mais je vous ai vu tuer ces Mongols. Je fais ce qu'il faut pour sauver Tsushima. En réalité, nous sommes des survivants. Nous avons une part d'ombre. Sans elle, nous serions morts. Ishikawa Sensei tient ce même discours. Mais c'est plus naturel quand ça vient de toi, Tomoe. Ishikawa a toujours dit que je sous-estimais mon ennemi. Je n'ai pas de flèche dans le dos. Pourquoi ? J'ai été trahi par les Mongols. Après leur avoir appris à massacrer les nôtres. J'ai voulu y remédier. Mais je ne peux pas tuer tous mes archers. Pas toute seule. Tu as besoin de moi. Et du sensei. Mais ce n'est pas réciproque. Je connais leur prochaine cible. Nous les attaquerons ensemble. Pour vous, une victoire. Pour moi, une revanche. Je dois en parler à Ishikawa Sensei. Jin. Tu peux rester cette nuit. Non, Tomoe. Je regrette. Tu devrais partir.
Sakai. Sakai, tu apportes des nouvelles ? En quelque sorte. J'ai parlé à Tomoe. Elle se cache au nord. Les Mongols l'ont abandonnée. Si tu l'as vue, pourquoi est-elle toujours en vie ? Ses archers préparent une importante attaque. Elle veut que nous les éliminions ensemble. Ou elle veut nos têtes au bout d'une pique, pour se racheter auprès des Mongols ? Elle aurait pu me tuer, Sensei. Elle n'a rien fait. Accorder ma confiance à Tomoe ne m'a jamais réussi. Je m'en méfie. Mais nous avons besoin d'elle. Et elle a besoin de notre aide. Alors elle est perdue. Il est temps d'en finir. Je vous en prie, protégez-nous. Sakai. Du nouveau sur Tomoe ? Nous nous verrons tous les trois. Elle nous révélera où et quand ses archers comptent frapper. Vous pensez qu'elle dira la vérité ? Nous verrons bien. Au fait, Sakai, la moindre erreur nous sera fatale. Je me suis préparé, Sensei. Allons-y. Où allons-nous ? Au nord de la crique d'Umugi. Elle nous a donné rendez-vous à une ancienne maison de jeu. L'endroit rêvé pour une embuscade. Nous avons l'avantage. Les Mongols se sont retournés contre elle. Elle est désespérée. Un ennemi désespéré est dangereux. Parce qu'il est imprévisible. Tomoe, elle, n'a guère que deux choix. Obtenir notre aide ou nous trahir. Tu as passé du temps avec elle. Qu'en as-tu pensé ?
Elle ne m'a pas attaqué à Jogaku. Mais c'était peut-être une ruse pour nous mettre en confiance. Elle ne réussira pas à nous duper. S'il ne s'agit pas d'une embuscade, écoutons-la. Et si elle dit vrai concernant l'attaque, coopérons. Ensuite, nous déciderons de son sort. Elle a trahi son peuple. Elle devra en répondre. Que lui direz-vous quand vous la verrez ? Je n'ai plus rien à dire à Tomoe. Ne voulez-vous pas des réponses ? Vous ne lui avez pas parlé depuis qu'elle a rallié l'ennemi. Elle a clos toute discussion le jour où elle s'est retournée contre moi. Nous approchons. Ouvre l'œil. D'ici, nous continuerons à pied. Reste à couvert. Elle a pu cacher des archers n'importe où. C'est la maison de jeu. Aucun Mongol. Oui, en apparence. Arrête-toi ici. C'est un fleurement à droite. Je vais aller me poster là. Toi, tu... J'avais l'intention de vous tuer, vous seriez mort depuis longtemps. Tomoe. Allez, approchez. Tu devrais m'attendre ici. Hors de question. Sois vigilant. Sensei. Jin. Toujours aussi arrogante. La seule chose que vous ne m'ayez pas enseignée. Des archers ont prévu une attaque. Où et quand ? La crique d'Umugi. Ils sont en route. Pourquoi nous le dire ? Le Khan m'a trahi. Je lui reprends mes archers. Et si nous ne t'aidons pas à les tuer, la crique d'Umugi sera perdue. Je n'en crois pas un mot. Attendez. Et vous verrez bien. C'est pas vrai. Les Mongols m'ont suivi. Sois maudit, Tomoe. Dosho ! Dosho ! C'est plus qu'un fil ! Tomoe ! Tu nous as trahis. Est-ce que j'ai l'air d'être leur allié? Je n'ai rien manigancé. Elle s'est battue contre les Mongols, Sensei. Pour nous duper, pour que nous baissions notre garde. Si j'avais l'intention de vous transpercer d'une flèche, rien ne pourrait m'en empêcher. Assez. La crique d'Umugi est peut-être en danger. Nous devons y aller. Bien. Mais au moindre petit écart de conduite,
je lui tranche la tête. Allez, venez. C'est par ici. En sauvant la crique d'Umugi, tu ne rachèteras pas tes crimes, Tomoe. Ils m'ont forcé à leur enseigner votre voie de l'arc. Et t'ont-ils forcé à tuer ton propre peuple au fort de Nakayama ? Ces gens se faisaient torturer. Je leur ai offert une mort rapide et sans douleur. Et les Mongols m'ont épargné. Je ne m'excuserai pas d'avoir survécu. Une patrouille mongole. Suivre vers la côte. Les archers de Tomoe seront alertés si on prend la route de la crique d'Umugi. Je suis d'accord. Restons à l'écart des routes. Coupons à travers ce champ. Comment avez-vous trouvé mon camp à Akashima ? Les hommes m'ont attaqué. On les a pistés. Je leur avais dit de vous éviter, tous les deux. J'avais prévu une douzaine d'autres camps. Une chance qu'ils t'aient désobéi. J'ai perdu le contrôle. Quand on s'est installé à Kushi, je ne commandais déjà plus rien. Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Éliminez-les. Sensei. Les arbres à l'autre bout du champ. Nous y ferons une halte à l'abri des regards. Tomoe, tu dis que tu ne commandais plus les Mongols à Kushi. Pourtant, une femme t'a vu avec eux. Une femme que tu as brûlée vive. Ce n'est pas moi qui l'ai brûlée. Peut-être pas, mais tu as formé ces bourreaux. Bien souvent, je les ai convaincus d'épargner leurs victimes, au lieu de les tuer. Sont à ma poursuite. Je pensais les avoir semés. Et tu n'as pas jugé utile de nous prévenir ? Je vous préviens maintenant. Nous attendrons ici que la nuit tombe. Nous profiterons de l'obscurité pour avancer. Risque-t-il d'attaquer la crique d'ici là ? Non. Ils vont poster des archers pour empêcher toute tentative de fuite et organiser le massacre. Reposez-vous. Je monte la garde. La nuit est là. Prêt ? Tomoe, passe devant. Sensei et moi te suivrons. Pour mieux me poignarder dans le dos ? Si les Mongols te repèrent, nous nous cacherons et nous les éliminerons. En route. Allez, suivez-moi. Ne la quitte pas des yeux, Sakai. Je vous entends, Sensei. Bien. Les sentinelles, droit devant. Jin, prends-en un. Je m'occupe de l'autre. Thank you.
en vient d'autres. Cassez-vous. Tagoro, Nadder, Bosodn, Ende Sonor Serem Steba. À ton signal, Sakai. Visez bien, Sensei. Une flèche, une mort. J'ai vu que vous aviez tué le dernier avec le tir du faucon, Sensei. Tu as remarqué ? Toi aussi, tu as changé de posture. Je décale la main droite vers le bas. Ainsi, quand je relâche... C'est intéressant. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Si un combat éclate ici, tes archers seront alertés et lanceront l'assaut avant qu'on atteigne la crique. C'est beaucoup trop risqué. Que proposes-tu, Sakai ? Tâchez de me suivre, et ne traînez pas. Il garde son stade. Tu garde. Tu garde. Tu ouvres. Сумтер аваас нисчэрсэн. Бидний хотоос агнахаар шийдэж, сум нь хөрөлцөхгүй штэ. Сум биш байсан юм байлгүй дээ. Мартаа наатаа.
Mes archers. Dès que nous donnerons l'assaut, ils se replieront dans le village pour y établir leur défense. Et des innocents mourront. Vous voyez les barils dans les chariots? Je vais faire le tour. Une flèche enflammée et... Dès que tu auras tiré, ils fondront sur toi. Tu devrais rester à l'abri des arbres. Je risquerai de rater mon tir. Il faut que je m'approche. Je veux réparer les torts que j'ai causés. Vas-y. Tu lui fais confiance? J'ai confiance en son désir de vengeance. Voilà donc comment elle avait une longueur d'avance sur nous. Vous avez été un bon professeur. Je sais. Tiens-toi prêt. Bel effort, Sakai. Où est Tomoe? Je l'ignore. Est-elle blessée? Tomoe! Un peu avant la fin du combat, je l'ai vue près du passage, là-bas. C'est un accès direct à la crique d'Umugi. Si des Mongols se sont repliés dans cette direction... Elle a dû les prendre en chasse. Tomoe sait qu'avoir tué ses archers n'effacera pas ses crimes. Mais elle a eu sa vengeance. Rien de plus, selon toi? Elle s'est battue à nos côtés. Ça aura son importance une fois l'ennemi vaincu. Oublie un peu les Mongols. Que recherche-t-elle dans la crique d'Umugi? Il n'y a pas grand-chose ici à part des voleurs, des brigands et... bien sûr, des passeurs. Ce qu'elle veut, c'est un bateau pour quitter l'île. Vous, là! Oui, monseigneur? Avez-vous vu une femme dans les parages? Une guerrière. Elle allait vers la plage. Par ici! Tomoe s'est servi de nous. Elle a sauvé la crique d'Umugi. Les Mongols étaient à ses trousses. Nous lui avons permis de quitter l'île sans aucun danger. On a toujours un temps de retard. Mais nous pouvons encore l'arrêter. La cousine d'une amie de ma femme l'a vu faire. Elle était retenue prisonnière. Ishikawa-sensei, nous nous sommes jugés durement. Mais le Bouddha nous enseigne que nos plus grands ennemis nous donnent de grandes leçons. Je vous suis reconnaissante pour vos enseignements. Et pour la chance de m'être battue à vos côtés, une dernière fois. J'ai été votre élève. Et j'aspirais à devenir votre fille. Mais la voie de l'arc est à présent derrière moi. Quel est mon destin? Je suis telle une flèche qu'on aurait tirée au loin. Nul ne sait où le vent me portera. C'est terminé.
Peut-être atteindra-t-elle Kyoto, finalement. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, je n'y croirais pas un instant. Nous avons une guerre à finir. Un monde à rebâtir. Je n'ai plus aucune leçon à donner dans cette vie, sauf une. Promets-moi que tu ne reproduiras jamais mes erreurs. Je vous le promets, Sensei. Elle sait se défendre seule. Tomoe était une bonne élève. Le seigneur Shimura t'a bien élevé. Le seigneur Shimura t'a bien élevé.